monde, bienvenue sur la chaîne de Deuxième en folie. Je sais pas si vous avez entendu le petit rire de Rebecca. Elisabeth, ma... ça l'a fait très. Oui, c'est ça. Rebecca et Elisabeth sont avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée de fille. Nicolas n'est pas là. Il est occupé. Ouais, go girl! Ouais. Puis, ok. Laissez-moi parler, puis après ça, vous direz que vous niaiserez. Bon, donc aujourd'hui, c'était drôle parce que je viens de commencer à filmer. Puis là, je dis, c'est quelle date donc? Parce que comme on les filme un petit peu d'avance. Ben là, je me souvenais plus quel jour que je faisais. Là, aujourd'hui, on fait le 3 décembre. Donc, pour vous, c'est aujourd'hui, on est le 3 décembre. Fait que j'allais ouvrir. On va commencer par ouvrir ma case Linda. De mon Linde. Attends un peu, j'ai oublié un petit quelque chose. Hein. Je me suis mis à jaser sans expliquer que c'est mon calendrier de l'Avent que je fais en compagnie de mon ami. Ah, ben en compagnie. Bon, ben, en compagnie de mes deux enfants, mais en collaboration ou entre trois YouTubers, dont Carly, Angel, Caroline et Design et Diamant, Amélie. Donc aujourd'hui, j'ouvre le cadeau de Amélie. Elle a fait mes chiffres impairs. Les bracelets m'ont arraché mes poils. Oh non! Tes bracelets ont arraché tes poils. Est-ce qu'il faut qu'on aille à l'hôpital? Oui, faut aller à l'hôpital. Ok, on va voir! Non, ça fait vraiment mal. Ok, c'est bon. Fait que là, Elisabeth, tiens. Ouais. Cherche-moi donc ma porte numéro 3. Puis ouvre-le. Puis donne-moi le chocolat que je le mange. Oh. Je suis aveugle, hein, moi. Ok. Ah, oh, voilà, j'ai trouvé. Cache combien? Numéro 3. C'est quoi? Oh non! Elle est vide! Donne-moi mon chocolat. C'est une petite boule blanche de chocolat, ça m'a fait très plaisir. Est-ce que ça s'est séparé en Je pense que... Ouais. Non. Le calendrier de Linda, t'en avais un aussi l'année passée. Je pense que oui. Ouais. Puis, oui. Ça m'a fait très parce que, tu sais, j'ai regardé la vidéo d'Amélie, puis dans la vidéo d'Amélie, elle montre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ben pour ceux qui... Ben, j'ai pas besoin de vous montrer. Vous allez juste aller voir la vidéo numéro 2, jour 2, celle d'hier, d'Amélie, de des années différentes. Hein? C'est un? Jour 1? Non, parce que moi je fais. Moi je. Ok, garde pas. Tout mélangé. Non, c'est jour 1? Oui, jour 1, t'as raison. C'est le jour 1 que je fais ça. Moi, le jour 2, elle a reçu mes washi. Mais là, je me souviens plus. Bon! Tu l'as dit à tes abonnés, s'ils n'ont pas encore écouté, t'as dit qu'est-ce qu'elle avait reçu? Ben, elle va faire BIP! Ah, mon montage va être plus long à cause de ça! C'est correct, pas de montage. Vous pouvez manger? Oui, vous pouvez le manger tantôt. Pas tout de suite. C'est vous qui me dites. Ah oui! Fait que là, j'en ai des choses à ouvrir avant d'arriver au vif du sujet. Ça, c'est le calendrier journalier des jours impairs de Amélie. Parce que dans le premier jour, elle va faire cette petite boîte-là. Hey, là, on est le 3, c'est un calendrier de l'Avent, je vous spoil pas, vous aviez juste à regarder le jour 1. Mais dedans, j'ai des petits chocolats, puis des petites enveloppes à déballer. Fait que, il y en a une de vous deux qui veut le chocolat? Moi! Puis l'autre doit prendre l'autre. Moi! Non, moi je prends l'autre. Moi je veux ça. Tu veux ça, toi? Je veux ouvrir. Tu choisis l'enveloppe, puis tu l'ouvres, puis tu me le donnes pour que je le montre à mes abonnés. Dépêche-toi! T'as pas... Celle-là. Celle-là. Ouvre. Toutes la même couleur, mais on s'en fiche. C'est celle-là qu'on veut. Ouh, un bonhomme de neige. Moi, je te parie, c'est menthe chocolat. Ben non, ça doit pas être encore menthe chocolat. Ah, peut-être. Ah oui, c'est la même. Ah, peut-être qu'elle m'a juste donné des menthes chocolat. Ou je dois tout avoir pogné les menthes chocolat la première journée. C'est... mélange pour chocolat chaud blanc et canne de Noël. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas la même chose. Hier, ben pas hier, avant hier. Je peux voir les images. Regarde, ils sont différents. Ben vraiment. Fait que c'est celui-là que j'ai eu aujourd'hui. Je vous le pense. Hot chocolate! C'est la compagnie Gourmet du Village. C'est super bon. Puis pour ceux qui se demandent la question, ça se trouve sur Amazon. J'ai pris le chocolat. T'as pris le petit chocolat, Linda? Ok, parfait. Fait que là, faut que tu me trouves la case, le cadeau numéro 3 que j'ai à développer. Ouais, il était pas bon le chocolat? Oh, bon, Elisabeth, elle a pas aimé le chocolat qu'elle a mangé. Ben, c'est à vous autres de pas me les voler. Ça, c'est un 6, un 9. Un peu en dessous, pas du tout. Oui, numéro 3. Ah. Tu l'as trouvé. Ouh!
une belle petite boîte. Fais attention à ne pas accrocher le téléphone, s'il te plaît. Elisabeth. Arrête de toi. Fait que... Oh, avant de l'ouvrir, faut que je regarde mon indice. C'est où j'ai mis ça? Il y en a des affaires qui traînent, hein? Va-tu tomber quand je vais mettre au bord? Touche pas, ouvre pas les portes, t'as pas le droit. J'espère que c'était pas fragile. J'espère que c'était pas fragile d'Amélie. Amélie! C'est cette enveloppe-là. Mais Amazon, le cadeau que t'as garoché à terre! Je l'ai pas garoché, il a glissé de mes jambes. Je veux lire l'indice. Tu veux me lire l'indice? Oui. Puis moi, je veux aussi deviner. L'indice numéro 3. Pas les autres. Ben, si je lis les autres, moi, c'est correct. Mais tu les lis pas à haute voix si tu lis les autres. Ah, c'est parce que... Elle a écrit de 1 à 12. Fait que j'ai lu la deuxième. Elle a écrit 1 à 12? Elle a pas écrit 1 à... Non, regarde. Fait que j'ai lu la deuxième. Y a-tu le numéro 3? Ou c'est 1 à 12? C'est de 1 à 12. Ok, fais l'indice numéro 2. Très pratique. Vous verrez, tu connais, je le sais. Très pratique, vous verrez, tu connais, je le sais. Wash tape. Des wash tape. Mais ça... Non, c'est pas des wash tape. Je veux écouter! Tu veux écouter? Elle veut brasser à côté de son oreille. Des bonbons, c'est très pratique. Attends, donne, je vais écouter. Non, c'est très pratique. Trop, très pratique, tu le sais. Hein? Garde, écoute. Redonne-moi les, je vais lire. Parce que des fois. Très pratique, vous verrez, tu connais, je le sais. Très pratique, vous verrez, tu connais, je le sais. Ok, donne-moi les. C'est assez, là. Je sais pas si c'était fragile, mais si c'était fragile, ça a été brassé en tabarouette. C'est des wash tapes, c'est sûr. Ouais. Mais non, sans ça. Moi, je sais. Du wash tape, ça fait pas chou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 
goût de moiron. Mais je sais pas, ben monte-les. C'est ça. Monte-les. Attends, donne-le. Recule parce que c'est trop proche là. Je vois. Non, pas si loin. Pas si proche. m'en faire un arrêt sur image, je pense. Tu m'as brisé. Bon. But first, coffee. Ça pue, ma chatte, ton affaire. Ouais, mon chien est en train de manger. Un pinou. Tu vas te faire bannir de YouTube. Ben non, mais pinou, ça veut rien dire. Ça veut dire. C'est une gâterie pour chien. Et ça s'appelle en vrai. Non, ça, t'as pas le droit. Un gros mug de café qui est écrit. Ready. Attends. Good coffee loves. Lover. Good coffee lover. Woohoo! Non! Non. Je veux le porter à moi. Tu peux le donner à Matcha, là, mais Matcha s'est éloigné, c'est peut-être parce que t'es tannée de le manger. Belle. C'est une gâterie pour chien. Bon. Good. Mon dieu. Good morning coffee lover. Good morning coffee lover. Ou good moiron. Pis ici, coffee time! Elles sont super beaux! Pourquoi vous avez pas vu ceux-là? Le 24, il est où? Je veux voir comment il est grand. Un 2 dans plein centre. Merci, Amélie! Ils sont super beaux! Le 24, il est tout petit! C'est le fun à faire des sous-verres comme ça. Oh, le dos, les mettrez pas trop loin! Pis, c'est ça. Fait que là, moi, je vous invite à aller voir sur les chaînes de Caroline de Carly Angel et Amélie de Design et Diamant. Vous allez voir leur lien de leur chaîne YouTube se retrouve sous ma vidéo dans la description pour aller voir leur jour numéro 3 de notre calendrier de l'Avent de 2023. Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimez les calendriers de l'Avent et les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie.